Et bonjour à tous, bienvenue dans Midi en transe, qui commence très bien, puisque on a perdu, on sait pas pourquoi, voilà, la capture de la fenêtre qui s'était barrée. Très bien, ça commence magnifiquement bien, une émission préparée, je vous rappelle, chaque jour à partir de midi, c'est de la merde, donc il faut quand même pas rater un événement pareil, hein. C'est vraiment, vraiment bien. Alors, vous le savez, avant de commencer cette session. Alors aujourd'hui, encore une fois, ça sera du The Grand Master, donc du Tetris de plus, après une légère amélioration hier. Petite séance de training hier soir, d'ailleurs, qui a conduit à 2500 en TAD dans la même session de jeu, ce qui est assez rare pour être signalé. Eh bien, avant, salut à toi Dro, salut à toi Sixy, salut à toi Xero. Eh bien, nous faisons un petit tour de l'actualité qui n'intéresse personne, et c'est quand même important de le signaler. Alors ce matin, le plus gros événement, qu'il y a eu, on pourrait presque dire, c'est la conférence de presse Japan Expo. Un événement très important, très attendu, et pas mal de petites annonces. Et on va suivre ça, vous voyez, alors avec le magnifique compte Twitter. C'est incroyable, des moyens vraiment formidables pour suivre ça en temps réel, ou ça tweet, hein. ça tweet, les conférences de fesses. Vas-y qu'on en annonce. Donc Thomas Sierdé, hein, un des cofondateurs de la CEFA, qui est donc, je rappelle, l'organisme qui s'occupe de l'organisation de chez Japan Expo, une division, vous savez, d'un ancien, groupe qui organisait pas mal d'événements Japan Animation. Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a en plus des invités inconnus, on va dire, à part Ken Akamatsu, tous les autres, hein, on va un petit peu revenir là-dessus, les mecs qui ont bricolé trois décors, de nombreux décors dans des animés, mais que personne ne connaît, les mecs qui ont ciré les pompes des réalisateurs, ceux qui ont fait le café pendant les réunions entre mangaka et éditeurs, eh bien, nous allons savoir qui sont ceux qui ont été invités dans cette prochaine Japan Expo, même s'il y a quand même quelques petites surprises. Bon voilà, alors là c'est les présentations, hein, on s'en fout, ça va être plus gros, c'est la comparaison de l'IPNIS, là en début de conférence, on donne les chiffres, le tour de poitrine, la hauteur au garrot, enfin bref, tous les trucs dont on s'en fout, présentation, voilà, des nouveaux noms de scènes, alors des nouvelles scènes avec des noms incroyables, scène principale, qui s'appellera Ichigo, très bien. Live House, Kalasu. Scène Japan Expo Yuzu. Scène culturelle Sakura. Et ex-scène 15 ans Kuli. Bref, on ne comprend déjà rien. Ouais, ça n'a pas commencé qu'on ne comprend absolument rien. Donc ça restera les mêmes noms de scène. C'est pas fini, hein, parce qu'il y a Web District derrière avec Nezumi. Jeux vidéo, ça sera Take. Tout à fait. Cosplay libre, Kitsune et Sumile pour l'espace dédicace, c'est dire si on s'en branle. Et enfin, arts martiaux, Budo et scène d'activité Sora, très bien. Bon. Voilà, donc ça c'était les news dont on n'a rien absolument à taper. Personne ne va retenir les noms comme ça et diront, bah, on était sur l'espace culturel, on était sur l'espace jeux vidéo, bref. Japan Expo, le mode d'emploi, pourquoi faire simple quand on peut faire excessivement compliqué, c'est un petit peu l'idée de l'entrée en matière de cette présentation. Mon espace de démonstration rencontre avec les professionnels venus spécialement du Japon, très bien. Quand même, notons, hein, que depuis 2-3 années, les espaces culturels, les invités, la zone culturelle qui est un peu avant, enfin bref, ouais, ils mettent un peu... qui est à côté en fait de la scène culturelle. Alors, la scène culturelle, c'est très facile à remarquer. C'est celle dans Japan Expo qui est blindée de monde et on n'entend absolument rien. Puisqu'elle est en plein milieu, c'est une des rares scènes qui n'est absolument pas isolée. Et donc, même quand t'es dans la scène, enfin dans l'espace réservé à cette zone, tu n'entends rien. Donc c'est magnifique. Alors qu'il s'y passe des choses plus ou moins intéressantes. Bon, créateur de production d'animé, on s'en fout. Ça, animé professionnel artiste, très bien. Côté mode, bon ça on s'en fout, hein, ça, le côté mode c'est les défilés de petites culottes avant les cosplays, bon ça vous connaissez, vous avez l'habitude, vous retenez. Tokyo Style, voilà un collectif de streetwear, parfait, je mettrai jamais ça le dimanche. Sans oublier la Wii Closing, ça nous intéresse un peu plus. Bon, la finale de l'ECG, bien évidemment, un grand rendez-vous du cosplay qu'est Japan Expo, ce n'est pas une nouvelle. La nouvelle application Japan Expo qui a été mise à jour, très bien, personne ne l'utilise. Alors, là, le ministre de l'ambassade du Japon,
Yoshihiro Higuchi, parle sur scène pour la position des institutions japonaises, c'est-à-dire plutôt le fion en l'air quand il faut se déplacer en France. Voilà. Donc ça, c'est important. Faites des selfies partagés avec la communauté grâce à l'application. Ah bah putain, ça va être bien. Ça va être bien. Alors, t'avais les free hugs, maintenant tu vas voir les free selfies, nouvelle tendance de Japan Expo. On n'a pas fini de s'amuser. Donc, près de 100 groupes d'idoles ouais, qui se sont affrontés, très bien. Donc, il y aura des groupes d'idoles sans doute à Japan Expo sur des scènes, comme vous pouvez en voir fleurir tout au long des 4 jours d'expo. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est ça. 4 jours d'expo. Bon, ça, c'est celle qui a remporté la compétition qui sera... Voilà. Bon, on s'en fout. Alors, nous recevons également l'auteur de Senken Rock, Bayuchi, très bien, donc auteur de manga. Ça, ça peut être plus ou moins intéressant pour ceux qui veulent rencontrer peut-être des gens dont ils apprécient le dessin et l'histoire. Alors, rencontrer également les voix françaises d'Evangelion, ça par contre, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. Là, vous voyez, ça, je pense que pour les gens... Alors, je ne sais pas quel... Parce qu'ils disent les voix françaises. Alors, étant donné qu'il y a tellement de versions d'Evangelion, hein, si on compte la série, les films, les premiers films, hein, Death and Rebirth, and the End of Evangelion, et après, si on parle donc des Rebuild, on n'en sort plus. Donc, je ne sais pas, parce qu'il y en a, il y a quand même des VF, si c'est pas toutes, elles sont vraiment foutues à la poubelle. On se rappellera de la première voix de Shinji. Incroyable. L'équipe de Noob, pour le deuxième film, ça n'intéresse plus personne. Alors ça, c'est... Ah, ça, c'est plus intéressant. Invité jeux vidéo, Yusuke Kotaki vient présenter son travail sur le dernier Fire Emblem. Alors, qui est déjà dans la polémique, hein, vous savez, le IF, avec la version cheap, pas cher, version Candy Crush... Et puis l'autre version un peu plus intéressante, j'ai peur. J'ai peur, salut à ceux hein, qui nous rejoignent pendant ce temps, Lord Exa, salut à toi Cole. Oui, oui, donc Senken Rock, ça va être très bien, la plupart des gens je l'app direct pour passer en WestOFR, c'est un petit peu l'idée. Alors... Merci d'avoir assisté à cette conférence de presse. Voilà, donc c'est terminé. C'était très bien. Alors, je rappelle que quand même, il y a d'autres invités. Putain, on en a passé un... J'en ai passé, là, avant. Attends, on va mettre ça, là, show more tweets. Voilà, parce que là, il y en a un petit peu trop qu'on a passé sous silence, parce qu'il y avait d'autres choses. Alors, on va revenir en arrière. On en était où je me disais, il en manque. Voilà, là, on arrive vers les mecs qui ont fait les décors. Ça va être bien. Alors, attends. Près de 100 groupes d'idoles se sont affrontés. Ça, on a lu. Un peu de culture contemporaine. Ah, un youtubeur japonais. Alors déjà, celui-là, ils ont dû en chier pour le trouver, hein, parce que, vous voyez, notez quand même l'antagonisme. Youtubeur japonais. On est bien d'accord, hein, que là-bas, le YouTube, c'est Nico Nico. Donc, youtubeur japonais, déjà, c'est mal barré. Je ne sais pas du tout qui est cette star, hein. Sans doute, il réalise une vidéo pour JETV, peu de culture contemporaine, avec le youtubeur japonais Umikun. Bon, Umikun chante également la chanson officielle du festival, Allez les Bleus. Ça va vite nous péter les roustons à partir du moment où on l'aura entendu une fois, je sens. Alors voilà, donc les autres invités qui avaient été annoncés avant la conférence de presse, hein, tout à l'heure je parlais de Kanakamatsu. Alors voilà, Shishiro Kobayashi, donc qui est un maître décorateur. Alors en effet, c'est vrai que quand on voit, alors là ils ont mis quand même des choses un peu plus intéressantes, même si ça se finit mal. Vous voyez, maître décorateur, donc ça commence bien, Berserk. Bon, nous avons Cantabile, ok. Pokémon, ça finit très mal. Mais il faut aussi savoir qu'il a participé à Rémi sans famille. Alors, Rémi sans famille, c'est quand même un petit peu mieux. Parce que je sais pas si vous vous souvenez des dessins. Enfin, on voyait vraiment que c'était du crayonné main, les décors. Parce que aujourd'hui, les décors, hein, faut quand même pas se leurrer. La plupart sont générés par ordinateur. Ça sert plus à rien. C'est-à-dire que mettre décorateur, allez le voir. Parce que c'est un des derniers que vous allez pouvoir rencontrer. Hein. Le prochain, il s'appellera Photoshop, voir tous les logiciels utilisés de CAO ou DAO. Donc, bonjour monsieur AutoCAD, ça va être un peu l'idée. Donc voilà, alors le monsieur en plus est plutôt jeune, mais c'est vrai qu'il a participé à quelques animés de renom, mais encore une fois, un inconnu notoire, parce que je pense que personne, à la limite, il y a des gens qui vont connaître les animés sur lesquels il a travaillé, par contre, le travail ou le nom associé au décor, bon. Alors, notre invité d'honneur animé, c'est Yoshiyuki Sadamoto. Donc grand invité, Sadamoto. Donc, le chara-designer et mangaka d'Evangelion. Alors, ouais,
pour ceux qui se souviennent pas, c'est que c'est un peu le bordel, Evangelion. En fait, quand ils ont lancé, c'est comme s'il y avait eu deux versions d'Evangelion. Il y a eu la version manga d'un côté, donc écrite et dessinée par Sadamoto. Donc souvent d'ailleurs, il y a des gens qui ne préfèrent que cette version-là. Et dans l'animé, en fait, vous n'avez eu qu'aux conservations que du chara-design de Sadamoto. Puisque c'est lui qui a participé, et on va dire que l'histoire a été pas mal remaniée. Par Anno. Donc c'est vrai, et puis maintenant c'est que tout ce qui est côté animé, c'est Anno hein, et le studio Kana, notamment pour les Rebuilds, qui ont complètement la main dessus. Et vous savez d'ailleurs que ça s'est pas spécialement bien passé entre la vision du réalisateur, le studio de la Gainax qui avait plus de tutune, et Sadamoto, on va dire l'auteur. Voilà. Donc c'est un petit peu particulier la création d'Evangelion, mais j'avoue, bel invité qu'est Sadamoto, mais c'est pareil, est-ce que Sadamoto... Alors Sadamoto, pour les gens en effet qui suivent Evangelion, ça doit beaucoup parler, pour les autres, je suis moins sûr. Hein. Surtout que la nouvelle génération a des a priori sur Evangelion, parce qu'en fait, la nouvelle génération qui n'a pas découvert Evangelion au bon moment, c'est-à-dire avant tout ce qui a découlé après, en fait, trouve que c'est un peu... ça n'apporte rien en fait, Evangelion. Mais parce que, encore une fois, il manque tout un pan culturel de ce qui était avant tous les animés de mecha, c'est-à-dire que c'était très, très stéréotypé façon Gundam, façon super-héros, on va dire. C'était un peu les comics, les super-héros issus des comics, mais dans les mangas, avec les Gundam, où c'est surtout des histoires politiques, géopolitiques, avec des personnages très froids. Et l'après, en fait, des séries de mangas. Des séries manga, pardon, que ce soit des mangas ou des séries animées dédiées au mecha, l'après Evangelion, où là il y a tout eu en fait une série d'animés qui ont repris les grandes lignées de ça, avec plus, on va dire, un côté développement des personnalités à l'intérieur. Et il y a eu tout un tas, on pourrait en citer. Alors il y a carrément des repompes plus ou moins directes. Vous avez Fafner, vous avez Ragzephon, mais il y en a tout un tas. Toutes les séries de mecha après plus ou moins ont été impactées par la série de la Gainax, qu'on le veuille ou non. Et ça reste quand même un monument et un pilier, notamment un changement dans, dans la manière d'aborder les séries animées concernant tout ce qui va être mecha, fin du monde, voilà. C'est vrai quand même que ça a eu un grand impact. Alors, Yoji Horii, alors ça très intéressant, Yoji Horii à Japan Expo, donc la partie jeux vidéo, Yoji Horii, je rappelle, c'est le papa des Dragon Quest, mais qui est également, alors ce qu'on sait peut-être moins, un ancien éditeur de manga, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il a connu Toriyama, et ce qui explique que le chara-design des Dragon Quest sont issus, sont faits là, pour la plupart par Toriyama. C'est parce que c'est un ancien éditeur de Yoji, également créateur du jeu Itadaki Street, et donc là qui travaille actuellement, vous le savez, alors sur Dragon Quest, on sait qu'il y a quelque chose sur Dragon Quest, il y a eu des annonces de Dragon Quest 8 au Japon, on en parle tout le temps, le premier trailer qui est apparu hier ou avant-hier, mais on sait aussi qu'il y a une annonce, alors il y a Dragon Quest Heroes, n'oublions pas, hein, qui est sorti en début d'année au Japon, le Heroes 2 qui a été annoncé dans la foulée, sous la forme d'un poisson d'avril, puisque c'était le 1er avril, et personne croyait vraiment à l'arrivée d'un Dragon Quest Heroes suite à une page web avec une sorte de mini-jeu dessus. Et en fait, ce qui va arriver maintenant, ce qui n'est pas forcément un secret, c'est qu'il y a Dragon Quest 11 qui est en préparation, mais sans doute, ça va être, on va dire, une sorte d'officialisation que les prochains Dragon Quest, il y a de fortes chances que ça signe un partenariat. Bonjour, je suis de chez Sony, j'ai la PS4, bonjour monsieur Yoji Horii, à quand un PS4, un jeu à Dragon Quest licence PS4, puisque ça vend bien. Ça vend pas mal, Dragon Quest Heroes a pas mal vendu au Japon. Alors, il est derrière Bloodborne, bien évidemment. Mais vous savez que les derniers Dragon Quest sont chez Nintendo. Le 9 est sorti sur 3DS et le 10, qui est encore japonais, sorti sur Wii, avec donc une grosse partie online. Et donc ça, chez nous, on n'en a aucune idée, parce que c'est vrai que Dragon Quest est quand même resté une franchise terriblement japonaise. Autant l'Europe et le monde entier est plus frappé par les Final Fantasy que les Dragon Quest, bien clairement. Donc voilà, à voir. Et sans doute, la grosse annonce est soit une exclusivité autour peut-être de Dragon Quest 11, soit, on sait pas, plus de portage de titres et ça. Même si là, ils finissent de sortir, voilà, Dragon Quest 8 qui sort sur 3DS, on sait pas. Alors, est-ce qu'il va avoir une exclusivité ou non, ou pas? Est-ce que la série va continuer quand même à sortir en parallèle sur les deux
console, étant donné que ça semble logique pour un éditeur de se tourner vers le leadership de la PS4 à présent, même si au Japon, on est bien d'accord que la PS4 n'a pas de leadership, c'est vrai pour le monde, on va dire hors Japon, ça reste au Japon une console qui se vend pas énormément bien, on est loin des files d'attente qui avaient généré la sortie de la PlayStation 2. La console est chère, bon, vous savez que les Japonais ont déjà fait le pas et sont quasiment tous sur mobile. Même le jeu portable, c'est plus ce que c'était, même s'il y a quelques exceptions. Donc voilà, le créateur de Dragon Quest, Yuji Horii, qui sera à Japan Expo. Donc ça, ça fait quand même deux beaux invités. Hein. Si on rajoute Kanaka Matsu, donc le mangaka Harem, enfin moi je l'appelle comme ça, hein, c'est Lovina, c'est Negima, qui sera aussi présent. Là, on commence quand même à avoir trois noms qui sont alors assez connus. Bon, alors après, pour les gens qui suivent vraiment très près Kozaki, peut-être dit quelque chose pour le dernier Fire Emblem. Encore une fois, avec les choix qui semblent se dessiner pour le prochain, ça semble pas excessivement incroyable. Mais en tout cas, la part belle entre des invités jeux vidéo d'un côté et des invités manga d'autre. Qui peut être intéressant. Alors je rappelle que c'est du 2 au 5 juillet, hein, Japan Expo, donc 16e impact, et c'est donc dans à peine un mois, d'où la présence de cette conférence de presse. Bon voilà, on a fait un petit peu le tour des annonces les plus importantes, sachant qu'il y aura sans doute une partie, il y aura quelques exclusivités jouables, je suppose, comme chaque Japan Expo, en termes de jeux vidéo. L'année dernière, c'était le cas avec, je sais plus, je crois que c'était, bon, c'est souvent des jeux pas non plus incroyables, hein. Je crois que c'était le cas avec le Saint Seiya, ou bon, ce sera peut-être encore, voire forcément, l'occasion aussi Japan Expo d'essayer quelques jeux qui vont sortir d'ici la fin d'année, avant on va dire ce qui va être vraiment la fenêtre de présentation des jeux de fin d'année, qui est la Paris Games Week, mais qui là est un salon qui est foncièrement plus éditeur qu'autre chose, avant bah, les présentations, enfin qui sera après les autres présentations plus mondiales de l'ISUI, avec une particularité. Alors cette année, vous avez suivi ça, l'ISUI qui sera ouvert au public. Alors j'ai pas suivi si c'était plusieurs jours ou un jour, je crois que c'était, je me demande si c'était pas déjà fait, mais de manière un petit peu cachée, mais en tout cas là c'est annoncé de manière très très officielle. Donc voilà pour les news pour Japan Expo, ceux qui disent qu'il n'y a rien. Ouais, alors le nom japonais, la Kinos, je t'avoue que j'ai pas compris non plus. C'est ce que je disais là, je sais pas si tu es arrivé quand on en parlait. Tout le monde va dire, bah moi je suis sur la scène jeux vidéo, je suis sur la scène culturelle, je suis au milieu des arts martiaux. Bah voilà, qui va retenir des noms? Alors encore à la limite, Budo pour arts martiaux, ça va aller, tu vois, si t'as fait quelques jeux. Mais il y en a d'autres, ça veut rien dire, quoi. Ça veut rien dire, je sais pas, la scène Bukake pour les idoles. Enfin, non, bon, bref, non, ça, même s'il y a un lien, on est d'accord, bon. Alors après, il y a des groupes de musique aussi qui seront sans doute invités, hein. Il y aura encore quelques surprises. Bon, voilà, donc ça c'était pour la partie Japan Expo, grosse partie, parce que grosse annonce. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Petit tour de l'actu jeu vidéo, j'avoue que j'ai pas trop regardé ce matin, je faisais d'autres conneries. Alors du contenu additionnel pour Splatoon, très bien, vous savez qu'il y a un modèle, c'est qu'il est sold out au Japon Splatoon. Et vous savez qu'il y a d'autres aussi contenus qui vont arriver pour Splatoon, parce que le modèle du jeu est de telle sorte que tout n'est pas disponible au début du jeu, c'est-à-dire que le jeu est assez fermé, assez limité, au final ils vont ouvrir différentes possibilités, je sais pas, dans les deathmatch, imaginez Capture the Flag ou d'autres choses, enfin rajouter d'autres modes en plus de ceux qui existent déjà, petit à petit, sans doute pour essayer de faire perdurer un petit peu de fraîcheur et de primauté sur cette nouvelle IP, puisque c'est vrai que voilà, ça va être difficile hein, à vendre. C'est une nouvelle IP, même si c'est Nintendo. Heureusement que c'est Nintendo, parce que ça se trouve, on n'en parlera absolument pas du jeu. Et donc, pour essayer de garder une activité, à avoir comme ça des mises à jour récurrentes, régulières, concernant Splatoon, pour que les gens ne lâchent pas, sans doute, le jeu tout de suite. Ne partez pas tout de suite. Mais c'est un petit peu ça l'idée. Parce que j'ai bien peur que malheureusement. Ouais, je sais pas si les gens vont rester. Bon, alors là, c'est encore fouet. Là, c'est le Black Kingdom Characters, The Kingdom Characters. Bon, je vous avoue que sur Fire Emblem, ça m'intéresse sans plus. Oui, alors l'autre annonce, c'est Bravely Second qui. Bon, on s'en doute, hein, qui va arriver en Europe. Enfin, à partie occidentale. Un peu. Vous savez, comme bah, le premier Bravely Default. Alors, c'est vrai que ce second Bravely Default, les premiers retours sont pas,
sont pas joyeux, une reprise un peu massive des donjons déjà utilisés en premier, bon on verra bien ce qu'il en est. En tout cas si vous êtes intéressé par ce Final Fantasy-like, ben sachez que sans grande surprise, hein, il va arriver, par contre il faudra être patient, 2016. Bon après vous voyez, on a toujours pas d'annonce concernant peut-être un RPG que vous attendez plus, qui est Xenoblade Cross, ça pour le moment, on ne sait pas. C'est vrai que je sais pas, à la limite, ils peuvent l'annoncer peut-être à l'ESUI, parce que étant donné que le jeu est déjà sorti au Japon, que c'est une news qui pourrait toucher l'autre reste du monde, ça serait une belle fenêtre. C'est pour ça que, notamment, les annonces concernant Dragon Quest, vous voyez, on les voit mal arriver dans un ESUI. Alors, peut-être à Japan Expo, plus vraisemblablement au Tokyo Game Show. Je vois pas trop parler de jeux uniquement japonais, voilà. Puis bon, ça c'est les restes, hein, le Monster Hunter Cross également, qui a donc été présenté au Nintendo Direct de dimanche. Qu'est-ce qu'on a ici? King Quest, très bien, des jeux récents. Alors, King Quest qui avait été relancé, si je dis pas de bêtises, ils ont relancé ça, alors ce qui est une ancienne série, hein, King Quest, et qui je crois qui a été relancé par un Kickstarter ou une connerie de ce genre. Avec des thunes participatifs qui ont été déposées joyeusement pour accueillir ce prochain titre. Donc espérons qu'ils ne feront pas quelque chose de trop mauvais comme Double Fine. Bon, XCOM 2, je vous avoue, c'est pas ma cam, mais sachez qu'il y a des... il y a des annonces, hein, 2K qui annonce qu'il est en développement si vous avez... voilà, absolument. Bon, ça c'est la présentation. C'est un résumé, hein, des différentes présentations du Nintendo Direct qui a eu lieu. Bon, c'est vrai que après vous avez peut-être vu passer d'autres. Alors attention, on va s'en dire. Mais c'est qu'il y a une rumeur également. Je sais pas si vous avez suivi la rumeur d'une présentation. Voilà, bah tiens, c'est marqué ici d'ailleurs, qui pourrait être présentée à l'ISUI d'un nouvel modèle de PS4 qui pourrait inclure un disque dur d'un tera, puisque actuellement c'est 500 Go. Alors, je pense pas que ça sera un SSD, hein, vu la capacité comme ça, c'est ce qui est bien dommage. À la limite, ils auraient pu faire une version SSD, quitte à mettre un peu moins de un peu moins de capacité, mais je pense que ça aurait coûté un bras, mais pour les temps de chargement, pour certains jeux, on s'en serait sans doute bien remis. Alors après, on verra, hein, c'est une nouvelle concernant la PS4, Uncharted, hein, vous savez qu'il devrait sortir sans doute dans le premier trimestre 2016. Mais pour le moment, la PS4 qui reste un petit peu timide. Alors, j'ai quoi contre Fire Emblem? Ah non, je n'ai rien contre Fire Emblem. Salut à toi, Tatou, KLM. Je n'ai rien contre Fire Emblem. C'est les propositions concernant le modèle économique du dernier qui me laissent un petit peu songeur avec ces deux versions, ces choses-là. Je n'ai rien contre la série Fire Emblem. J'ai quelque chose contre le modèle qui apparaît sur le dernier, le IF. Avec ces espèces de deux versions, la black, white, ça a l'air un petit peu étrange et j'ai bien peur qu'ils fassent une modèle un peu au rabais. Je sais pas, hein, ça se trouve ça sera pas du tout ça. C'est juste quelques craintes concernant le prochain, pas contre la série Fire Emblem. On n'en est pas du tout là. Bon là, les revues de Splatoon, la version, c'est même pas, c'est quoi ça, c'est même pas, non, ça parle même pas de la version PC. Meilleur endroit, hein, NeoGAF pour les rumeurs. Halo 5, on s'en fout, les prédictions forcément, hein, de l'ISUI, et il va avoir une nouvelle super console, et on va parler de ça, et au final on aura 3 jeux. Et on verra bien ce qu'on aura à l'ISUI. Je vous rappelle, hein, que l'ISUI, bah, c'est dans même pas une dizaine de jours. Il faut une Pokémon. Pas de fin d'année Assassin's Creed? Ah bah si, il y a bien des nouveaux Assassin's Creed. Là, c'est comment il s'appelle celui qui va se passer à Land Syndicate? Syndicate, il me semble. Si, bien sûr. Ah bah, de toute façon, je pense que Ubisoft va principalement mettre les vues là-dessus, hein, comme chaque année. Ils ont un peu que ça, non, en fin d'année. C'est vrai que ça va être, voilà, les gros jeux attendus, ça va être quoi? MGS, hein, pour ceux qui attendent Phantom Pain. Ensuite, on aura, voilà, l'édition classique des FIFA avec les nouveaux blessés, les nouvelles équipes, avec le PSG plus fort. On aura en effet un Assassin's Creed. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autres? Une éthique qui vont... Quelques surprises sans doute issues de l'ISUI. Je sais pas, je sais plus d'autres. Je vous avoue que je sais pas trop ce qui est prévu comme jeu à la fin de l'année. Vous le savez sans doute mieux que moi. Mais nous verrons ça très bien. Dans peu de temps, hein, d'ici une semaine, on aura le temps de revenir là-dessus. Bon, bah, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Moi, vous avez vu d'autres choses incroyables. J'ai pas non plus... Je vous avoue, j'ai pas suivi de manière très intensive tout ce qui s'est dit. Là, on est dans Video Games, mais il y a un peu n'importe quoi, j'avoue, dans cette liste.
Voilà, Splatoon, un lancement canon en Grande-Bretagne. Des concours. Oui, MGS, je pense que beaucoup de gens, ça bien sûr, attendent hein, forcément le Phantom Pain. Ah oui, voilà, oui, on a oublié pour Japan Expo, excusez-moi, on a oublié, on est passé vite fait dessus. Street 5 sera jouable à Japan Expo. On a oublié d'en parler. Excusez-moi pour ce gros manquement, je l'ai vu passer et du coup on a complètement oublié d'en parler dans l'effervescence. Donc il y aura une version jouable de Street Fighter V à Japan Expo. On parlait tout à l'heure de jeux qui pourraient être jouables à Japan Expo en exclusivité. C'est le cas de Street Fighter V. Donc il faudra y être. Bon, Etrid, ça on s'en fout, on n'aura pas le diffuser sur Twitch depuis la mise à jour. Des conditions d'utilisation. Bon voilà, je pense que grosso merdo... on a dit pas mal de choses pour, eh bien, pour aujourd'hui, ce qui est plutôt pas mal concernant les autres news. Non, après, rien d'intéressant. Actuellement, je suis en train de lire ceci. Je ne sais pas si on le voit bien. On, voilà. Ah là, les sources, le retour aux sources, c'est vrai. J'ai regardé également... de nouveau, un petit plaisir Akira. J'avais bien vu Agataka aussi, que je n'avais pas vu un film de science-fiction, quoi, fin des années 90. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Assez intéressant. Avec, avec Jude Law, avec Matt Orman. Vous l'avez peut-être vu. On a parlé aussi, bien sûr, hein, de Mad Max, que j'ai été voir, Fury Road. Et je me suis lancé aussi, puisque c'est sur Netflix, sur la première saison de l'Attaque des Titans, parce que j'ai pas osé, le manga j'ai pas pu. Hein. Quand j'avais commencé à l'époque à tourner les premières pages, si vous voulez, j'ai été saisi par le trait du dessinateur qui m'a semblé, voilà, très doué. Sans doute le meilleur dessinateur de sa génération. Et c'est sûr que quand on comparera ses dessins à côté de ceux de Tsukasa Ojo, même de ceux de Toriyama, hein, où des gens ont beaucoup chié dessus à l'époque, je pense que on saura rendre à juste titre les qualités graphiques de cet auteur. Donc du coup, je me suis propulsé sur l'animé, dont une partie, je pense que c'est pour les d'ailleurs pour les aspects 3D, sont réalisés par Production IG, ceux qui s'occupent. Notamment hein, de tout ce qui est Ghost in the Shell, c'est souvent eux qui sont derrière, mais vous savez que maintenant dans le monde de la Japanimation, même si c'est un peu toujours le cas, c'est-à-dire qu'on sous-traite des... enfin on sous-traite, ouais, il y a des sous-traitances, on va dire, des parties les plus mainstream, dessins un peu faits à la pisse par des petits studios, et puis pour les scènes d'action où ça mérite d'être un peu plus musclé, où il faut quand même un certain gage de qualité, bah, vous allez retrouver des studios confirmés, c'est souvent le cas, hein. C'est pour ça que vous retrouvez des fois plusieurs studios sur le même animé. Et c'est le cas des productions IG qui participent souvent à réaliser quelques scènes par-ci par-là sur l'animé, alors que c'est pas eux qui s'occupent de toute la réalisation de l'animé. Alors, t'es pas fan de Marvel, c'est fini. Alors, pas spécialement. Les films de super-héros, ça va, mais à petite dose. Je t'avoue que là, la tempête de caca qu'on prend avec tous les films Marvel, alors je sais pas si vous avez vu la magnifique bande-annonce de Ant-Man, celui-là on le sent très bien, hein, Green Lantern, merci. Et par exemple, moi, Avengers 2, j'ai été déçu. Enfin, je sais pas si vous, vous avez apprécié, mais Avengers 2, c'est Transformers 2, quoi. C'est un petit peu la même chose. Des dialogues pathétiques, tu regardes le film que pour les scènes d'action, le scénario, il n'y en a pas. Voilà, donc je veux dire, c'est aussi intéressant qu'Iron Man 2 et Iron Man 3, alors qu'il y a quelques films de Marvel qui s'en sortent très bien. Le premier Iron Man... Ah, le premier Avengers, j'y passe bien, Captain America 2 aussi, mais il y en a, c'est des étrons, les torts, honnêtement, faut en vouloir, hein, pour regarder ça. Et le truc, c'est que, bah, comme ils distillent des petits morceaux d'intrigue dans tel ou tel autre épisode, enfin, ouais, parce que j'ai presque envie de dire que c'est une grosse série, alors, si tu veux avoir tous les tenants et les aboutissants, faudrait tout regarder, mais merci, il y a des purges. Gardien de la Galaxie, par exemple, était très sympa. Franchement, il était drôle, bien rythmé, des personnages attachants, mais tu vois, c'est un truc par-ci, par-là. Mais pas tout m'intéresse du tout chez Marvel, quoi. Vraiment pas. Et Doctor Strange et les autres choses qui vont sortir, Avengers 3 ou, enfin, je sais pas, Captain... C'est quoi, Captain America 3 Civil... Civil Wars, à voir. Vraiment à voir. On verra bien. On verra bien. Allez, bon, bah on va attaquer cette session de training après avoir raconté sa vie. Ça serait quand même pas mal.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à vous dire? Je crois que c'est tout. Vous avez pu donc sur ma chaîne YouTube retrouver la VOD du Pibi d'hier avec ce 904 qu'on va pouvoir peut-être essayer d'améliorer. La nouvelle. Ah oui, alors Daredevil, très très bien. Je pensais que tu me parlais des films. La série Daredevil est en effet très très bien, je l'ai vue. Exclusivité Netflix qui a été diffusée tout d'un coup. Les 13 épisodes ont été diffusés. Et en effet, elle est très très bien faite. Par contre, je sais pas ce que ça va donner la saison 2. Grosse inquiétude, changement de showrunner pour la saison 2. Ça fuite déjà en fait. On sans doute qu'il y aura Elektra. Il y a déjà des castings qui sont en place pour chercher la nouvelle actrice. J'ai peur. Mais la saison 1, en tout cas, vous pouvez y aller tranquillos. C'est une bonne série qui n'est pas menée comme une série de super-héros, mais plus comme un thriller thriller policier, thriller noir, en fait, plus que super-héros. Il y a quelques défauts dans la série, mais il y a vraiment des très très bons points. Le jeu d'acteur est bien, l'ambiance est bien. La réalisation est très soignée avec des plans de caméra et des plans séquences très intéressantes, même dans les phases de castagne. Donc je vous conseille, si vous avez possibilité de regarder cette série, de vous y atteler. Parce que voilà, vous pouvez utiliser le mois gratuit de Netflix, hein, si il n'y a que 13 épisodes, hein, donc ça va vite, hein, c'est à raison de 40 minutes, entre 45 minutes et 55 minutes on va dire, par épisode. Et honnêtement, la série est plutôt bien faite pour que vous ayez envie d'enchaîner tout de suite sur l'épisode d'après. Donc je vous conseille cette série Daredevil, qui est en effet assez réussie. Salut à toi, Ray. Bien, allez, on va quand même passer, fini les conneries, on va passer au vrai jeu. Donc, pas mal de choses, ouais, on va passer sur le titre, réalisation incroyable. Donc, je disais, laissez-moi installer tout ça, laissez-moi m'installer également, je vais faire un magnifique autolargue vers mon poste de jeu. Je vous rappelle qu'on se retrouve demain soir hein, pour Beyond Gaming à partir de 21h sur la TV2, oh là là. Je vais essayer de rien casser, promis. Allez. Je fais une belle transition. Hop. Oui, donc demain soir, on pourra se retrouver à partir de 21h sur la TV2 de Gaming Live pour parler d'un speedrun. Wow, détente, hein. On va vraiment s'amuser. J'avais envie de casser un petit peu le rythme sérieux. Puisque demain, ça va être un speedrun de The Typing of the Dead. Donc, qui est une parodie de The House of the Dead, sauf que le but, eh bien, est non pas... Alors, ça reste un rail shooter, sauf que cette fois-ci, pour réussir à tirer sur les monstres, il faut taper le mot qui apparaît. Où vous avez le zombie ou infecté, enfin qui apparaît sur l'ennemi en fait, et il faut taper ce nom le plus rapidement possible pour pas prendre de dégâts et ainsi de suite. Donc c'est ce qui nous intéressera demain. J'ai hésité, j'ai failli vous proposer un autre speedrun, mais du coup je vais le conserver pour la semaine prochaine parce que je voudrais attendre que ça soit un petit peu plus amélioré en fait, ce qui pourrait nous intéresser. Donc demain soir, ça sera ça le programme de Beyond Gaming. Alors,